Allez, on est parti, mes coquines. On est parti, on va voir ce qu'il y a ce soir. Est-ce qu'il y a une petite surprise, un petit joueur icône, SBC qui sort? Bon, il y avait Miam qui est sorti hier, je ne sais pas si elle vous intéresse. À savoir, si vous voulez faire Mia Khalifa pas cher... Ham, excusez-moi, lapsus révélateur, je ne sais pas. C'est, vous pouvez la faire gratuitement, Mia Ham, si vous voulez. Avant ça, je vais aller voir s'il y a une carte. Il y a un choix 85+, qu'ils ont mis. D'accord. Ressé James, s'il y était déjà, peut-être il n'y a pas de joueur SBC. Hein. En tout cas, j'en vois pas. Pour le moment, j'en vois pas. Voilà, il y a Lamine Camara. J'ai une hype de fou. C'est un joueur que je suivais quand j'étais tout petit. Non, je rigole. Je connais pas de joueur. Je m'en bats les couilles, en fait. Quoi, je connais Camara, mais tu vois. Or. Oh, 5 de mauvais pieds, 4 de GT, rendement élevé, élevé pour notre petit Camara. Attends. Playstyle, tir puissant, l'interception plus. Il a le rapide, il a l'intuition, il a le contrôle. Ok, c'est, ça, il joue au FC Metz, rendement élevé, élevé, 90 d'accel, 86 de vitesse. C'est quoi cette carte? Les stats de tir sont assez incroyables quand même pour un pur MC. Il a l'agilité, l'équilibre, un peu de rien. C'est quoi cette carte? Pas dégueu, c'est quoi cette carte? Les gars, bien sûr que je le déconseille pas, les gars. Une équipe à 82, 83. Il est super complet, il a la force, il a l'agressivité. C'est un pur MC, les gars. Il a un rendement élevé, élevé. C'est pas un MDC. Hein. Il a moins de force, mais il a l'agressivité. Et, défensivement, il a ce qu'il faut. Bon, il a 80 d'interceptions, mais ça va. Il a l'agilité, l'équilibre. Après, il a pas une grosse réactivité, un gros calme. Merci à toi, Ryan de Twitch, pour le Prime. Merci, mon frérot. Belle qualité de passe courte. Bon, la passe longue est un peu moins bonne. Mais en fait, il est complet. C'est certain, vont dire, il est mieux lui, il est mieux Sawa, il est mieux Bruno, il est mieux si. Ben, lui, il est complet. Il a l'accélération et la vitesse que Bruno n'a pas. Par contre, il n'a pas la finition que de Bruno. Mais il a la puissance de frappe que Sawa n'a pas. Et il a la complémentarité défensive physique que peut-être Bruno n'a pas dans certains secteurs. Et que Savoie n'a pas dans certains secteurs, mais que a dans certains secteurs défensifs. Par exemple, je crois Bruno et Savoie un peu plus en interception, mais je crois ils ont un petit peu moins lucidité défensive. Et il a l'agilité, l'équilibre. Après, il n'a pas un gros calme et une grosse réactivité, mais les gars, pour le prix de la carte, c'est cadeau, les gars. Après, voilà, il n'a pas un gros calme et il n'a pas une grosse réactivité. Mais vraiment, les gars, je trouve que la carte n'est pas dégueulasse. Ça reste qu'un avis personnel. Regarde les playstyles, je les ai regardés, les playstyles déjà, Louis. Faut se réveiller. J'ai dit, il a le tir puissant plus, ça peut être intéressant. Il a l'interception plus pour un milieu de terrain. Il a le playstyle rapide. Il a des playstyles aussi super intéressants. Faut se réveiller, Rudy. Et Miguel Gutierrez, je vous avais pas dit par rapport à Miguel, parce que la carte, elle n'y était pas par rapport aux stats. Il a le rapide, il a le foulé rapide. Je découvre les stats avec vous. Après, il est DG, les gars. Il est DG à ce stade du jeu en DG. Il y a tellement d'alternatives qui sont sorties. Roberto Carlos, Cole qui sort pas mal dans les packs, Rolfo, etc. Donc, il n'y a pas d'utilité à faire cette carte en DG, bien entendu. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a un choix 85+. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et pour ceux qui se demandent comment faire âme gratuitement, si vous vous posez cette question, ça m'évite de faire une vidéo différente et au moins tout est mis dans une vidéo et tranquillement. Si vous voulez faire âme différente, c'est un peu comme âme gratuitement, c'est un peu comme ce que je vous ai montré par rapport à comment packer du à packer le plus facilement possible. Sauf que là, est-ce qu'ils ont enlevé les choix ou ils les ont remis? C'est juste ça. S'ils ont enlevé les choix, ça va être problématique. Ils ont remis choix joueur 80+. Tu fais les choix joueurs 80+. Dès que t'as des 85, 86, 87, 88, 89, tu fais des échanges. Et avec les hors communs, les hors rares tu refais des choix joueurs 80+. Et âme, tu peux la faire gratuitement comme ça. Vraiment, les gars, regardez, j'avais fait une vidéo pour expliquer sur YouTube. Tous les messages, 95% étaient positifs en disant « Ah, merci PG, grâce à toi, j'ai packé ci, j'ai packé ça. » Donc, en plus de ça, tu peux faire les SBC gratuitement. Et en plus de ça, en faisant cette technique, avec un peu de chance, tu peux packer du lourd. Donc voilà, tu spams les choix 81+ et tu les combines aux échanges 85, 86, 87, 88, 89 quand t'as des doublons.
Et quand t'as des doublons, t'as de la chance d'avoir des grosses notes et peut-être même paquet du lourd. Et si t'as pas de grosses notes, c'est pas grave, tu récupères encore des hors rares et plein de hors communs. Et tu refais, tu refais, tu refais, tu refais. Voilà. Et tu peux cumuler, faire âme gratuitement et toutes les cartes que tu veux gratuitement. C'est assez facile. Faut attendre 20 heures pour les packs bronze et argent. Oui, et t'as les packs bronze et argent, les renforts pour récupérer des ors communs et des ors rares si tu en as besoin. Mais personnellement, je fais cette technique depuis plusieurs jours et j'ai même pas eu encore besoin de ors communs et ors rares avec le renfort parce qu'en faisant les échanges, je récupère tellement de ors communs et de ors rares que j'en ai pas forcément besoin. Mais non, t'as pas besoin de 50 heures de recyclage. Il faut savoir que quand t'as des 83, 84, au lieu de faire des ventes rapides comme un con, tu fais des choix TOTW 83+. Tu récupères un boost et en plus de ça, tu récupères des packs joueurs mélangés et un pack joueur Electrum. Donc tu récupères encore des cartes or. Au lieu de jeter tes 83, 84 bêtement. Donc voilà. Donc c'est comme bonjour. Bon, le contenu par contre il fait pas rêver ce soir, mais après sur ça on peut pas critiquer. Les derniers jours étaient plutôt pas mal en termes de contenu, donc on peut pas cracher sur ça. Salut les gars, ça va? Donc on va faire le choix 85+, on va voir ce que ça donne les gars. Donc en tout cas voilà, t'es quelqu'un plutôt bon à faire, ça se voit. Ouais, après à tout ce qui est technique et tout ça, depuis le temps, bah bon, on me la fait pas. Et depuis le temps, tout ce qui est technique, c'est pas pour rien que je suis que paquet du lourd. Je m'appelle Passion Gaming Le Goat. Attention, quand même.